Clairement, on va retrouver en premier lieu une agilité et une souplesse de l'outil qui est très ouvert, qui permet effectivement de customiser et de vraiment épouser des processus métiers de nos clients. Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Missoff, je suis directeur de l'agence conseil et expertise chez Business et Décision. Alors, nous avons de nombreux clients dans tous les secteurs d'activité, que ce soit sur du retail avec Yves Rocher, de l'agro avec Roulier, des banques, des collectivités. En particulier, des sujets autour de la qualité des données, la capacité à pouvoir les exploiter, quel que soit le métier, l'optimisation des processus, mais également un time to market qui en dépend naturellement. L'avantage technique va consister à faciliter la mise en place d'un data hub en évitant de refaire, recréer tout à la main, en spécifique et en sur mesure, avec des coûts et des complexités de maintenance. Et puis l'apport de fonctionnalités business, c'est-à-dire que un data hub comme Semarchi apporte des fonctionnalités natives éprouvées chez de nombreux clients et qui sont donc efficientes dès le démarrage. En particulier des gains de 15 à 20% sur les renégos de contrats grâce à la meilleure connaissance de ses fournisseurs. Ça peut être un time to market plus fort avec un gain de productivité dans le process d'approbation des matières premières en respectant des réglementations locales ou internationales. Éviter d'avoir des doublons au niveau marketing et gagner un ROI projet dès la première année grâce aux frais postaux. Clairement, on va retrouver en premier lieu une agilité et une souplesse de l'outil qui est très ouvert, qui permet effectivement de customiser et de vraiment épouser des processus métiers de nos clients. C'est un outil du coup qui est assez rapide à mettre en place opérationnellement. Il a une ergonomie qui est très intuitive, qui est assez sexy par rapport à ses concurrents en termes de DHM. Il va également avoir une capacité d'intégration très forte dans la SI, d'un point de vue architecture. On va également retrouver des fonctions de reporting dans la nouvelle version typiquement qui sont assez intéressantes et qui évitent de dupliquer les outils et d'intégrer du monitoring. Et puis enfin, les compétences techniques pour prendre en main un outil comme Semarchi et donc le maintenir dans votre système restent assez simples. Si je devais retenir un seul mot pour décrire Semarchi, ce serait la confiance. Et écoutez, merci beaucoup et à très vite.